Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Spyro le Dragon sur PlayStation 1 et nous faisons donc le niveau de boss du monde des tisseurs de rêves. Et ça veut dire qu'on arrive vraiment au but. Ouf, je me suis emmêlé dans les touches là, clairement. Disons que nous allons finir le monde des tisseurs de rêve avec le boss qui va être ultra relou. Alors, pas le boss en lui-même, hein, mais le niveau où on va. Je sais pas, vous vous souvenez des petits lutins horloges à la con, là, qui, en les cramant ou en leur jetant dedans, activaient des plateformes. Le niveau, c'est que ça. Donc, comme d'habitude, il faut le trouver, ce niveau, hein. C'est la chose la plus pénible du jeu en fait, c'est d'aller chercher les niveaux à chaque fois. Voilà, on va juste les shooter parce que le niveau de boss, normalement, si je me souviens bien, il est là. Bon, ça va, c'est facile d'accès. Et nous allons donc battre Jacques. On est déjà à 10 000 diamants, hein. On est bien accueillis quand même, hein. Vous avez pu le constater. Dès qu'on est arrivé, bam, un ennemi qu'on peut pas voir de suite à cause de la caméra. Voilà la grande joie de ce niveau. Oh, en plus, il faut... oh, oui, parce que les ennemis sur les plateformes. C'est... non. C'est bien un niveau que je peux bien passer, c'est celui-là. Hein. Donc pour l'instant, ça reste de juste de faire le premier niveau, quoi. J'ai perdu le nom. Ça reste basique, hein. Sauf que la plateforme, on ne sait pas laquelle décolle, en fait. Aucune idée. Donc lui, c'est la plateforme qui est en bas. Normalement. Une plateforme là-bas, mais je vois clairement pas. Mais c'est pas vrai! Enfin! Je pense que celui qu'on doit cramer, c'est pour l'autre plateforme là. On va pas s'approcher trop près. C'est le début du niveau et on galère un peu beaucoup. Hein. Oh punaise, j'en étais sûr. Le piège à con par excellence. Ouh, lui, c'est fait l'ennemi. Hein. Oh là, oh non, 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 saut d'image, c'est pas loin.
Et donc, en fait, à mon avis... Ok. Je déteste mon matos, là, clairement. Où c'est tu? Eh oui, bon, on n'a pas vu ma mort, quel dommage! Du coup, l'ennemi, on... Enfin, pas l'ennemi, mais l'espèce de lutin réveil, là. On savait pas ce qu'il faisait. Ça va me saouler, ces sauts d'image, là, ça va me gonfler. Là, je m'énerve un peu, parce que je ne le vois que trop tard, ça. Le problème, c'est que je ne peux pas refaire de capture, après. Oh, finesse. Ouf, on a quand même réussi. C'est une horreur. Mon tout pour m'ennuyer, hein, pour rester poli. Oh, ah, mais... Ah, c'est... Je veux même pas vous dire ce que je fais, parce que je vois rien. Les sous-dimages sont énormes, c'est pas une à deux secondes, c'est 5 secondes. Oh punaise, encore je crève à côté des ennemis sur ces plateformes. Je suis vraiment énervé. Parce que c'est invisible et du coup je peux pas vous dire. Je peux pas vous aider. Bon, y a rien de sensationnel, juste qu'il faut activer l'autre lutin pour arriver sur cette plateforme qui va permettre d'avoir le dragon. Passe par là, et il se fera revenir en arrière. On voit rien, et... Ah, on peut peut-être passer dans le trou, là. Oui, donc, il y a une clé, en plus. Mais c'est... Ah, le saut d'image me gonfle. Pardon, je m'énerve beaucoup, là, mais... Je peux pas recommencer les niveaux, parce que la partie est terminée depuis longtemps. Punaise, c'est... Bon, on a le coffre, là. C'est illisible. Je vais virer mon PC, je vais le mettre au feu, là, clairement. C'est pas possible. J'espère que ça va se calmer pour avoir au moins la bataille. Compliqué de vous dire ce que je fais, parce que... Bon, l'avantage, c'est que je mets trois plombes pour faire les actions. Donc, c'est assez clair. Donc, là, j'essaie de sauter, mais que la caméra veut pas à cause d'un petit angle de mur. Et qu'on a enfin... Un petit moment de répit, entre guillemets, pour la vidéo. Ouh. Bon, il y en a plein de diamants, là. Bon, c'est vrai que le niveau est assez pénible en soi, si en plus il y a des captures pourries, c'est compliqué. Voilà, on y arrive à peu près. Voilà, ouf, on respire un peu là. On a envie d'avoir quelque chose qui s'est passé en fond de ma capture pour que ça déconne comme ça. D'avoir quand même ce diamant là. Vous avez sûrement entendu une petite moto qui passe, hein. Alors, est-ce que je les ai eus ou pas? Possible. Ouais, bon. On va quand même essayer d'avoir... Je pense essayer d'avoir ce dragon. Je vais avoir une vie d'ailleurs. Donc là, on va aller sûrement voir le boss, mais du coup, on n'a toujours pas débloqué ce dragon. C'est toute la problématique du niveau, en fait, hein, clairement. Bien relou.
Non, elle reviendra plus tard, elle va charger. Elle a toujours pas vu l'ombre du boss, hein. Bon, l'avantage, c'est que tous les monstres qu'on aura éliminés là ne reviendront plus. Un petit conseil avant la bataille? Un conseil? Un dragon m'a dit un jour, dans la vie, il faut viser haut, mais attention aux boîtes volantes. Hein? Je vais répondre à la même chose que Spyro. Hein? Où est-ce qu'il y veut? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah faut juste le suivre pour l'instant. Juste le suivre, hein, c'est un grand mot. Hein. Ah punaise. Oh putain. Bon ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, le truc pénible aussi c'est quand ça fait le saut plané direct là. On va juste sauter mais non, il plane juste derrière. Donc ça fait un tout petit saut. Je commente après mes vidéos, mais heureusement, si je commentais en même temps, ce serait une horreur. Hein. Tellement que des fois, le jeu m'exaspère. Hein. Mais... Ah, c'était la fin! Ok. Ok, très bien. Alors il manque un truc toutefois, parce qu'on n'a rien fait là. Il manque le dragon qui était au tout début. Donc ce niveau, il y a moyen de tout faire d'une traite sans repartir en arrière comme je fais là. Bon, j'espère qu'il y a des petits champignons qui se promènent. Oui, au moins un, parfait. Je vérifie juste ce qui me manquait. Et il me manque un dragon, donc on voit à peu près où est le. Où est l'action en fait, où se passe la suite du niveau. Et c'est au début, c'est lui qui fait tout en fait. Que lui l'amène là. Sauf que, encore une fois, comme j'ai dit, il faut arriver à sauter là. Et ce qui est très con, c'est qu'ils ont mis le fameux lutin horloge très loin du champ du poteau. Donc, bah, on ne le sait pas ce qu'il fait, puisqu'on ne le voit pas. C'est peut-être l'une des énigmes les plus tordues. Parce qu'on sent, il faut lui, il faut aller vite taper lui. Pour qu'il. Voilà. Et voilà, avec bien sûr que ça ne veut pas sauter planer, du coup, ça fait de la merde. Voilà, ça me frustre de souvent, ce genre d'action, tu vois. On voit puis une fois sur la croix, ça fait deux fois. Ah. Le pire, c'est que ce lutin est extrêmement loin de la zone, hein.
C'est pour ça que c'est pas logique de se dire « Ah, ce lutin-là active cette plateforme-là. » Cette caméra... Des fois... la caméra doit être absolument pas là. C'est pas... Oui, il passe à travers les flammes en plus, cet enfoiré. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Ouais, j'espère. Ouh, c'est bon. Faut juste pas rater le saut, ce serait très con. Merci de m'avoir libéré. Ouais, c'est tout. C'était pas de tourpeau de t'avoir libéré, toi, hein. Encore eux. Oh là, il y a plein d'endroits en plus. Ouais, c'est là. Bon, ici c'est un peu facile entre guillemets. On va voler et essayer de buter tout le monde. Ah, là j'ai eu un petit souci de vol. Un peu trop bas direct. Mais c'est pas grave, il fallait quand même passer par en bas. Oh, une petite vie, joie. Très bien. Ça va me plaire encore ce passage. Ce niveau, je vous dis, c'est une vraie plaie. Il y a même des derniers niveaux avec le Mercenaire qui sont plus simples que celui-là. Allez, un. Super. Ouais, n'attendez pas de ma part que je fasse un speedrun de Spyro. Hein. Clairement pas. Je vous fais un slow run si vous voulez. Voilà. Donc ce passage, il est fini. Oh, c'est... Tout simple, tout à l'aise, hein. Qu'est-ce que c'est stressant, ce genre de truc. Ah, je me disais, ils vont me manquer, en plus. Mais ils sont sûrement en face, les autres derniers. Oui, il va y avoir... Ouais, 5, 3 de chaque. 3 de 5. Et alléluia. Clairement. On a enfin fini le niveau, pas trop tôt. Donc du coup, je sens qu'on va faire une petite pause, et on repart quitter le niveau. Et nous avons fini le tisseur de rêve à 100%. On va donc s'attaquer au dernier monde, mais ce sera pour la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et bon jeu! Salut !